Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me voit bien? C'est très important que je puisse être sûr que tout le monde me voit bien et que tout le monde m'entend bien pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne bien. J'essaye ce soir une nouvelle manière de diffuser le live, donc j'espère que ça va fonctionner. Excusez-moi si par hasard il y a parfois quelques petits problématique, mais en tout cas, je voudrais être sûr que tout le monde m'entend bien, tout le monde me voit bien. Si c'est le cas, merci juste de le mettre dans la barre de commentaires, s'il vous plaît, et me dire que vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Thomas, bonjour. Jean-Luc, bonjour. Est-ce que vous pouvez juste me dire, m'envoyer un petit pouce, des pouces, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, car moi, je n'ai pas de retour. Bonjour, oui, le son est bon. Merci Manuel, merci à tous. Donc, bah, écoutez, je vous propose qu'on démarre, que je vous propose qu'on démarre un live qui va durer une vingtaine de minutes, 25 minutes sur Bryson DeChambeau. Bryson DeChambeau, aujourd'hui, c'est le joueur qui fait parler de lui, qui envoie la balle extrêmement loin. On l'aime ou on ne l'aime pas. Moi, je vais être très clair sur le sujet. Je suis extrêmement admiratif du joueur qui cherche toujours à être le meilleur possible. Et je suis toujours admiratif de ce genre de personnes qui cherchent à aller au-delà de ses possibilités, à s'entraîner jour et nuit, à faire en sorte d'être le meilleur possible. Donc, je suis très admiratif de cette partie-là de Bryson DeChambeau. Je suis moins admiratif de certaines choses, du temps qu'il met à jouer, du putter qui, pour moi, il y a beaucoup plus que 2 points d'ancrage, mais 3, 4, 5. Pas fan non plus de cette évolution physique incroyable, certes, mais peut-être au-delà de ce qui est autorisé. Donc voilà, je suis assez partagé, mais en tout cas, je suis admiratif de cette quête de l'excellence, même si effectivement, j'aime moins cette quête de l'excellence en oubliant certaines règles. En tout cas, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'échanger avec vous sur l'évolution de Bryson DeChambeau et techniquement, qu'est-ce qu'il a fait évoluer et surtout, en 5 minutes, 6 minutes, vous expliquer un petit peu la philosophie qu'il a au niveau de son swing et de son mouvement. Alors, je n'invente rien, tout ce que ça fait un gros mois que je m'intéresse à ce que fait Bryson DeChambeau parce que c'est tout à fait exceptionnel. Donc, j'ai lu beaucoup, j'ai visionné beaucoup de vidéos. Il a aujourd'hui deux coachs, un qui s'appelle Mike Shai et l'autre qui s'appelle Chris Como. Et à force de lire et de m'intéresser à son profil, je vais vous expliquer ce qui peut être peut-être intéressant pour vous. Donc, en un, sur sa philosophie et en deux, sur ce qu'il a modifié techniquement. Ok? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Bonjour à tous et à tous, hein. Bonjour Elisabeth, bonjour Elisabeth Kellas, très très bonne enseignante. Benoît, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Je vais essayer voilà, de faire le mieux possible. On reprend les lives, je vous dis, avec une nouvelle organisation. Voilà. Avant de démarrer, deux petites choses. Première chose, je voudrais vous présenter un outil exceptionnel. On sait que gagner de la distance, c'est quelque chose qui, pour vous, pour nous tous, est extrêmement important. On a un outil qu'on vous présentera régulièrement, qui est partenaire de nos lives, The Force Pédale. Exceptionnel. Je vais vous montrer ça en quelques mots. Avant de vous montrer Force Pédale, c'est la semaine aussi pour nous un peu du driving. Aujourd'hui, avec Bryson DeChambeau, parce que on sait qu'il tape fort et ça peut vous intéresser. Et nous vous proposons quelque chose d'exceptionnel, d'exclusif, vendredi à 18h sur le Facebook Live du Journal du Golf avec mon ami, que vous connaissez très bien, Lewis Wallace, Jérémy Brechetto, qui travaille avec moi ici au Vaudreuil, qui est un excellent enseignant, vraiment avec une philosophie très proche de la préparation physique. Et on veut vous expliquer comment gagner de la distance. 3 pros, 2 heures, comment vous allez gagner de la distance. On vous garantit que c'est au moins, allez, 10, on va dire, 10% de votre distance que vous allez pouvoir gagner. Donc, soyez là, vendredi, 18h. Les équipes du Journal du Golf vont mettre un petit lien. Et c'est parti pour ce live sur Bryson DeChambeau. Mais avant Bryson DeChambeau, je vous montre rapidement un outil formidable qui s'appelle The Force Pédale. Une petite pédale de force. Ici, très rapidement, cet outil va vous permettre de gagner en distance. Tout simplement, pourquoi? En mettant sous vos pieds une de ces deux pastilles, qui sont plus ou moins dures, ça va vous permettre de sentir exactement à quel moment il faut que vous veniez presser et à quel endroit vous devez presser.
avec cet outil-là, pareil. Vraiment, même pendant le confinement, entraînez-vous avec ça chez vous, vous gagnerez de la distance. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller visiter le site The Force Pedal. Et si ça vous intéresse, on a un code promo pour vous, JDG10, qui vous permettra d'avoir 10%. Allez, c'est parti. Bryson de Chambaud. Première des choses que je voudrais vous expliquer à papa, en ce qui concerne Bryson de Chambaud et sa philosophie, c'est que c'est un joueur qui cherche à retirer le plus de variables possibles de son mouvement. Ça, c'est hyper important que vous preniez conscience qu'il cherche à retirer le plus de variables possibles à son mouvement. Et la première des choses qu'il a fait, c'est les clubs. Des clubs à taille unique. Je vais me mettre ici, on va voir si c'est ici que vous voyez le mieux. Pitching, un gap wedge, donc à peu près, allez, on va dire 40, entre 45 et 50, celui 6 degrés, et un fer 5. Exactement la même taille. Donc, c'est la première variable que Bryson DeChambeau a voulu retirer, c'est de se dire, je vais avoir des clubs qui font la même taille avec un lie qui va être le même. Donc, il va retirer déjà deux variables. La première variable qui est la distance par rapport à la balle. Il sera toujours à la même distance par rapport à la balle. Et on sait aussi que les clubs en général ont des lies différents, donc des plans de swing différents. Donc, deux variables qui sont la taille et le plan de swing. Si moi je prends mon pitching wedge, mon gap wedge, pardon, et mon fer 5, voilà la différence qu'il va avoir au niveau de la taille. Le magnifique tout noir, tightless. Voilà la différence. Avec effectivement, pour mon wedge et mon fer 5, des lies légèrement différents. Alors, présenté comme ça, vous allez vous dire, bah, pourquoi moi je n'ai pas des clubs à taille unique, c'est quand même super intéressant. Même posture, même plan de swing, c'est quand même plus intéressant. Oui, vous pouvez tester, mais vous allez voir que de faire des approches avec un club, un sandwich qui fait la taille d'un fer 7, c'est pas évident. Et surtout au niveau des distances, ben, avec ces clubs-là qui ont des lofts différents, mais aussi des tailles de clubs différents, on a une profondeur entre chaque coup qui est plus importante qu'avec ces clubs-là. Donc, la variable de la posture et du plan de swing grâce au lie de départ est retirée, mais la distance que vous allez faire entre votre fer 4 et votre pitching wedge va être réduite par rapport à votre fer 4 et votre pitching wedge sur une série classique. Voilà le pour et le contre sur la première variable. Les variables, c'est vraiment ce qui caractérise pour moi aujourd'hui Bryson DeChambeau, c'est de retirer les variables. Donc ça, c'est la une des variables qu'il a retiré. Enfin, une des variables. Le lie, comme je le disais, le plan de swing et la distance par rapport à la balle. Deuxième variable, une des variables qu'il a retiré. On ne pourra pas toutes les faire aujourd'hui. J'ai essayé d'aller vous chercher celles qui sont pour moi les plus intéressantes. Et liées à son grip et sa posture. Qu'est-ce que l'on constate chez Bryson DeChambeau? Il a un grip qu'on appelle très faible dans la paume. Il a des grips, alors je ne les ai pas aujourd'hui, mais qui sont extrêmement gros, très, très, très épais. Et il est dans une position comme celle-ci au départ. Cette position a pour but, là aussi, de retirer deux variables. La première variable est de la rotation d'avant-bras. Et donc, en ayant le grip ici, je vais vous le montrer, et de retirer aussi cet angle qu'ont souvent les joueurs qui ont tendance à se redresser au moment d'arrêt. Donc, de retirer ces deux variables. Sans vouloir utiliser des termes anglais, Bryson DeChambeau a utilisé un terme, il veut aller « end of range of motion ». Ça veut dire qu'il veut aller au bout dans ses postures, de ses amplitudes, de sa mobilité. Donc, s'il met sa main gauche dans cette position-là, extrêmement droite, on appelle ça la déviation lunaire au maximum, et son bras gauche, sa main gauche dans cette position-là. Vous pouvez tester chez vous. Si vous mettez dans cette position-là et que vous grippez le club, vous allez voir que vous avez très, très peu de mobilité pour refermer le club. Vous êtes tout simplement dans une position qui est verrouillée. Contrairement à ici, où je vais pouvoir avoir beaucoup de mobilité au passage, lui crée un verrou pour avoir retiré là, ce qu'il appelle des variables. Donc, je pense que déjà pour commencer, ce qui est très important pour moi, c'est que vous compreniez, là, je ne sais pas vers quelle caméra, mais vous me trouverez, que vous compreniez le fait que la philosophie de Bryson DeChambeau est de retirer le plus de variables possible pour que ça soit le plus répétitif possible. Donc, les clubs, cette position-là, en font partie
pour être le plus répétitif possible. Dans cette position-là, il va avoir beaucoup plus de difficultés. C'est ce qu'il cherche à refermer le club. Le club va arriver beaucoup plus stable pendant la traversée. Et il y aura beaucoup moins de jeu, là aussi, de l'ail qui a une influence colossale sur la direction de l'œuvre. Donc, vous le voyez, c'est souvent comme ça. Maintenant, vous saurez pourquoi. C'est tout simplement pour réduire les variables et pour faire en sorte que quand il arrive dans cette position-là, le club bouge le moins possible. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est intéressant? Dites-moi tout. Mauvais son, je suis désolé. Je suis désolé, je fais au maximum. Monstrueux ça, j'aime bien. Moi, la mobilité, j'en ai pas. Je croise mon club, toucher mon dos au backswing, j'en ai marre. OK. Vous pouvez nous en dire un peu, tu peux nous en dire un peu plus, Clément. Donc, j'espère que vous avez compris que cette philosophie de Bryson DeChambeau est un peu plus clair pour vous sur le fait qu'il cherche à réduire les variables, à avoir le moins de variables possible. Les clubs et cette position-là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est Bryson DeChambeau, même avec le putter, c'est la même chose absolument. Comment ça se passe pour l'armement des poignets? Jérôme, j'adore, on y vient tout de suite. Très clair, merci Yvan, comme d'habitude, très agréable. Je vous propose d'aller un peu plus loin et de vous montrer là aussi. Nicolas Durand, un swing très mécanique, en fait, un robot. Un peu, et on y vient. Vous allez voir qu'on va y venir. Bonjour Elisabeth, j'espère que tu vas bien. C'est très intéressant, mais pas pour moi. J'espère qu'à la fin, il y aura des choses qui peuvent t'aider. Bien évidemment, c'est un swing qui est très physique, on va en parler immédiatement. Mais pourquoi pas, vous allez comprendre immédiatement. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller chercher une vidéo, pas du tout une vidéo, pardon, excusez-moi, je m'exprime mal, la modélisation de Bryson DeChambeau en 3D. Il a été pris sur un logiciel que j'ai la chance d'utiliser au golf du Vaudreuil qui s'appelle Gears. Donc là, on peut avoir sous tous les angles Bryson DeChambeau en plus gros, plus ou moins gros, plus ou moins petit, et de voir son fonctionnement. Et ça, c'est une vidéo qui date de janvier 2016. Et Bryson DeChambeau est un joueur absolument hallucinant. Voilà ce qui se passait je vais retirer une petite chose pour pas qu'il n'y ait… Hop là, qu'on n'ait pas trop d'images. C'est tout à fait exceptionnel. Si on regarde Bryson DeChambeau, vous allez voir que tout le long de son swing, le chemin de ses mains, le chemin de son club, la même ligne montant, sur la même ligne en descendant et sur la même ligne en sortant. C'est tout simplement hallucinant. Tout est sur le même plan. Pour exemple, je vais vous montrer une modélisation des meilleurs joueurs du monde. Je vais vous montrer la modélisation des 70 meilleurs joueurs du PGA Tour qui a été fait par ce logiciel, car tous ces joueurs aujourd'hui passent sur cet outil. Donc là, on a Bryson DeChambeau, on a les 70 meilleurs joueurs du PGA Tour, ce qui est quand même, je pense, une comparaison assez intéressante. Et bien, qu'est-ce qu'on constate? Regardez la différence. Et si on va un petit peu plus loin dans le visuel, si on s'intéresse pour l'instant qu'aux mains, on voit que Bryson DeChambeau a un chemin des mains qui est le même en montant, au retour. Et on voit que les 70 meilleurs joueurs du monde ont tendance, eux, et ça c'est intéressant pour vous, très intéressant, Elisabeth aussi, un chemin des mains qui est plus intérieur, plus en dessous que celui du départ. Donc ça, très intéressant. Si on retire les mains et qu'on ne s'intéresse qu'au club, qu'est-ce qu'on constate? Là aussi, Bryson DeChambeau, hallucinant. Tout est sur le même plan, sur le même chemin aussi. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Une différence avec un club qui revient un peu plus de l'intérieur par rapport au chemin de montée. Et si on met les deux ensemble, on voit que c'est tout à fait hallucinant. Et c'est ce qu'a toujours cherché Bryson DeChambeau, avec un club extrêmement vertical au départ. Et là, pareil, si on s'intéresse au club, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'à l'époque, on a le loft du club là. Bryson DeChambeau avait à peu près le même loft que la majorité des joueurs du PGA Tour, mais un lie
donc le lie, je vous expliquerai pour ceux qui le souhaitent, plus vertical que les joueurs du PGA Tour pour justement réussir à obtenir ce qu'il fait là, à savoir tout sur le même plan pour être le plus précis possible, le moins de variables possible. Et comme le disait tout à l'heure Clément, je crois, être effectivement légèrement peut-être un peu robot. Donc, voilà ce qu'il est intéressant de voir et voilà ce que cherchait à faire Bryson DeChambeau pour être le plus précis possible. Sauf qu'un matin, il s'est levé, enfin pas un matin parce que c'est quelqu'un de très intelligent et je ne veux pas dire ça ironiquement, mais il a dû se rendre compte que ceux qui tapaient le plus fort, qui allaient le plus loin, pardon, qui sont en général ceux qui tapent le plus fort, gagnaient le plus d'argent. Donc, il a cherché à faire évoluer son swing. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une comparaison de Bryson DeChambeau aujourd'hui. Avant de le faire, je vais juste regarder s'il y a quelques questions. Jean Briac, Châtel, belle évolution depuis son travail avec Chris Como. On y vient tout de suite, Jean Briac. Je vais te montrer, je vais vous montrer quelle a été l'évolution. Ça, c'était en 2016. Quelle est l'évolution aujourd'hui du travail de Bryson? Une roue parfaite, exactement. Moralité, changer nos clubs de golf. Marie-Noël, je me répète par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Attention, OK, vous, avec des clubs qui feront tous la même taille, vous aurez toujours la même posture, vous aurez toujours le même plan de swing, mais attention, ça réduit la profondeur que vous allez donner à vos coups. Donc, vous pouvez tester, mais soyez, je vous conseille d'être vraiment vigilante et vigilant sur ce sujet-là pour ne pas avoir, en tout cas, de problème de profondeur. Je regarde s'il y a d'autres questions. J'y répondrai un peu plus tard. Allez, je vous propose qu'on revienne maintenant sur l'évolution de Bryson DeChambeau avant et après. Je vais aller chercher un swing assez récent de mai, donc la sortie du confinement. Donc on voit ici qu'il était à 107,63 quand il cherchait vraiment à être extrêmement précis. On va aller chercher celui-ci. 106, 126, 13. Qu'est-ce que l'on constate immédiatement? Eh bien, cette perfection au niveau du plan des mains, elle est un petit peu moins. On va s'intéresser déjà à son club. À l'époque, il avait donc un loft du club, donc une ouverture de club à 8,36 en position statique. Il a aujourd'hui un loft à 5,67. 5,67 en statique. Et pourtant, à l'impact, il a quasiment le même loft qu'à l'époque. On va dire aux alentours de 14 degrés, il était à 14 degrés. Donc, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, à l'époque, il prenait, je vais peut-être un peu vite, si je vais un peu vite, n'hésitez pas à m'arrêter, il avait un angle d'attaque descendant de 1,18. Aujourd'hui, il a un angle d'attaque remontant de 5,12. Il a fait évoluer son angle d'attaque de tout simplement, je vais me mettre un peu plus grand pour vous montrer, de tout simplement 7 degrés, 6 degrés et demi. L'angle d'attaque, c'est tout simplement par rapport à l'horizontale, parce que je veux que tout le monde comprenne bien, l'angle avec lequel on vient attaquer la balle. Donc là, on est remontant, ici on est descendant, et on sait que à vitesse égale, si vous prenez la balle en remontant, vous irez plus loin qu'en descendant, à vitesse égale. Donc il a optimisé aussi cet angle d'attaque pour aller plus loin. On sait que sa priorité est bien sûr de toujours être droit, mais vraiment d'aller plus loin. Donc voilà, en ce qui concerne le club, première des choses, le loft est plus bas et le lie qui était très vertical est un peu plus bas. Il a fait évoluer un lie de 62,38 vers 59, donc 3 degrés de moins de lie pour avoir quelque chose de plus conventionnel parce que c'est ce qu'avaient tout à l'heure les joueurs moyens, enfin la moyenne des joueurs, pardon, pas les joueurs moyens, loin de là, la moyenne des joueurs du PGA Tour. Donc ça, c'est la première des choses. Si on va un petit peu plus loin. Allez, on va rester sur cette image-là.
Ça, c'est la première des choses. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le visuel, tout simplement, quelque chose qui est assez simple, mais qui est parlant. Si on retire et qu'on regarde que le chemin de ses mains, donc il avait des mains qui étaient toujours sur la même ligne, on voit que le chemin des mains est un peu plus conventionnel par rapport à ce qui se fait sur le PGA Tour, et sur les tours en général, des mains qui reviennent un peu plus de l'intérieur. Si on regarde ensuite le chemin de son club, là aussi, il y a une différence colossale sur un changement de direction un peu plus important. Donc, quelque chose de plus conventionnel. Ce qui m'intéresse énormément, si on regarde de face, je trouve ça absolument génial. Tout à l'heure, il y avait l'utilisation des poignets qui a été avancée par un d'entre vous. Regardez aussi le changement de face. De face, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'il y avait très peu d'écart ici entre la montée et la descente, peu d'écart. Cet écart, on va appeler ça, je vais dire de manière simple, le lag. Le lag, c'est une création là aussi de vitesse et on voit qu'il en avait peu parce qu'il cherchait à maîtriser avant tout le trajet de son club et à être très précis. On voit aujourd'hui qu'il a fait évoluer son lag avec une boucle extrêmement importante qui lui permet de générer donc beaucoup plus de vitesse. Si on regarde les deux positions ici quand le bras gauche est parallèle au sol, on voit qu'ici, il a plus d'angle aujourd'hui qu'il n'en avait à l'époque. Si on met le chemin des mains, qui est extrêmement intéressant là aussi, on voit une grosse différence par rapport à 2016, aujourd'hui en 2020, où il cherche à emmagasiner plus d'énergie en ayant là aussi une boucle. Il rapproche le club de lui, qui va créer du lag, qui va même créer au niveau du bras gauche un peu plus d'angle, donc de puissance. On voit qu'il cherche énormément de puissance par l'utilisation de ce lag des poignets. Là aussi, un petit peu plus conventionnel que ce que l'on avait l'habitude de voir chez Bryson DeChambeau. Si on va encore un peu plus loin, si je vous mets les deux d'un coup, juste avant de finir sur cette image-là, on voit bien, j'appellerais ici cette différence une source de puissance importante qu'il n'a pas là. Donc, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'on constate chez Bryson DeChambeau avant, après? Il a tout simplement fait évoluer son mouvement pour passer d'un swing, je suis bien au milieu, si je me mets là, oui. Pour passer d'un swing où il était un petit peu plus droit, très peu d'angle, le chemin des mains et du club sur la même ligne, très large là aussi pour qu'il n'y ait pas trop de différentiel, sur une posture avec un peu plus d'angle, ça je vais vous le montrer. Et où là, il y a un tout petit peu plus d'armement et ici surtout de retard, de lag, de différentiel avec un club un peu plus de l'intérieur en apprenant plus en remontant, plus de l'intérieur et plus en remontant. Ça, c'est le constat au niveau de la mécanique du club. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer comment son corps bouge et ce qu'il a fait évoluer au niveau de son corps pour justement générer cette puissance. Est-ce que j'ai des questions? Le stance a l'air plus large. Absolument, absolument. Que de bonnes questions. J'y répondrai progressivement. J'espère que vous voudrez bien m'excuser, mais comme je veux rester concentré sur ça, oui, bien évidemment, il a plus d'angle dans la posture et on y vient. C'est ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir effectivement. Oui. Un bruit un petit peu spécial, je ne sais pas ce que c'est. Allez, on retourne ici. Hop là. Excusez-moi un instant. Et c'est parti. J'espère que nous n'avons pas été coupés. Non, on n'a pas été coupés. Génial, excusez-moi. Allez, Bryson. Qu'est-ce qui se passe si on en vient dans la posture? Vous l'avez tous vu, il a plus d'angle. On revient dans la posture de départ. Il a un peu plus d'angle. On voit qu'au niveau du buste, il est un peu plus incliné. Il a définitivement plus d'angle. C'est une certitude. On voit, pour vous donner une idée, ici, on a des… Alors, je veux vraiment faire simple. Hein.
pour ne perdre personne et que tout le monde, si vous avez besoin que j'ai plus de détails, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Mais le bend ici, pelvis, c'est le bassin, ribcage, c'est la cage thoracique. Pour faire très simple, et c'est les angles, quand on est tout droit, on est à zéro. On voit que le bassin est à zéro et que sa cage thoracique, ribcage, est inclinée de 23 degrés. Aujourd'hui, son bassin est légèrement incliné, sa cage thoracique, au lieu d'être à 23, est à 27. Donc, il est un peu plus incliné vers l'avant. C'est une évidence. Après, qu'est-ce qui nous intéresse? Pour faire simple, pareil, parce que je veux perdre personne et je veux faire simple, ce qui nous intéresse, quand il va monter, c'est de voir la rotation. Et qu'est-ce que l'on constate comme rotation? Ben, vous allez voir que c'est assez flagrant. Si on regarde uniquement en 2020 et qu'on regarde, et je vais vous demander de regarder ces deux chiffres-là tournés. Donc ça, c'est en degrés, ce fameux 45-90. On va voir combien au maximum il va tourner le bassin et le haut du corps. Le bassin, il est monté à 39 et le haut du corps, il est monté à 94. D'accord? Si on regarde là en 2020 à droite, et donc c'est ces chiffres-là de rotation, turn, pelvis, donc je me répète, c'est le bassin, ribcage, la cage thoracique. Qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'il a gagné en rotation ou pas? Il était à 39 et à 94. Il monte jusqu'à 49 et presque 50, parce qu'on voit 49,99. Donc, il a gagné énormément de rotation au niveau du bassin. Et avec le haut du corps, il monte jusqu'à 101. Donc, il a cherché à gagner énormément en rotation dans le backswing pour gagner en puissance. Deuxième des choses, on va voir l'impact, qu'est-ce qui se passe. Et ce que j'aimerais que vous regardiez, c'est l'action de son bas du corps. Regardez ici ses jambes, regardez son bassin et regardez s'il utilise beaucoup le sol. Pas énormément. Regardez aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il repart, il vient presser dans le sol, ce qui signifie qu'il vient utiliser la force qu'il y a dans le sol, plus de la force rotative pour emmagasiner énormément d'énergie. C'est le fait d'utiliser le bas du corps en rotation et en venant appuyer dans le sol qui crée ce lag. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Et dernière des choses, pour pas qu'il y ait trop de choses, je devais faire que 20 minutes et on est déjà au-delà, donc je vais m'arrêter. On va aller jusqu'au moment d'impact. Qu'est-ce qui se passe à l'impact et quels sont les chiffres au moment d'impact? À l'impact, il est venu tourner son bassin de 40 degrés et son haut du corps de 29 degrés. Contre aujourd'hui 30 et 20, il a retiré 10 degrés de rotation à l'impact. Donc, il tourne beaucoup plus en montant et il tourne beaucoup moins au retour. Je m'explique. Je n'ai perdu personne là. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. J'espère que tout le monde me comprend. Et pour résumer, ce que fait Bryson DeChambeau, voilà ce qui se passe. Donc, on a parlé du chemin de club. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de son corps. Qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Donc, oui, il a un peu plus d'angle, il est un peu plus incliné. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu aussi besoin de baisser un peu le lie de son club. Je me répète pour ceux pour qui j'ai été trop vite, le lie est cet angle ici entre le sol et le club qui peut aller de ici il est très bas, il serait de 10 jusqu'à 90, d'accord? Donc il a fait évoluer pour l'avoir un peu plus bas. Mais qu'est-ce qui nous intéresse au niveau de son mouvement? Il a cherché tout de suite à avoir plus de rotation au niveau du bas du corps, du haut du corps, à gagner énormément en rotation dans le backswing, plus qu'à l'époque. Et il cherche à repartir plus vite pour créer cette séparation, ce qu'on appelle le stretch factor. Le stretch factor, c'est quoi? C'est au retour d'avoir un bas du corps qui repart plus vite que l'eau et de créer ce retard avec les bras. Avant, je ne m'y pas très bien, mais vous comprenez le principe. Maintenant, pour gagner en puissance. Et on voit bien ici qu'il vient presser avec ses deux pieds dans le sol, ses deux jambes dans le sol pour ensuite exploser. On voit très bien, et je vais vous le montrer tout à l'heure, ces vidéos en ce moment où même il a le pied gauche qui tourne à la fin, tellement il est venu emmagasiner de l'énergie dans le sol pour exploser ensuite. Ça fait pas mal de choses. Dernière chose, pardon, vous avez constaté qu'à l'époque, il était beaucoup plus rotatif à l'impact qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il fait en sorte que son corps s'arrête au retour pour que les bras aillent encore plus vite. Quand tout tourne ensemble, il y a moins de vitesse que s'il y a une partie du corps qui s'arrête pour laisser passer le club. Il s'est probablement inspiré de McIlroy pour ça qu'il le fait très bien. Je vous ai donné plein d'informations. J'espère que ça vous a intéressé. Et je voudrais finir par des choses qui peuvent vous aider. Bryson DeChambeau, il paraît robot comme ça. Il ne l'est pas. Et gardez en tête qu'il est
extrêmement souple, extrêmement souple. C'est la première des choses. Donc, continuez à faire du sport pour vous assouplir. Ça vous permettra de gagner en rotation et de gagner en vitesse. La deuxième chose, il a fait évoluer son matériel pour qu'il soit parfaitement adapté à sa nouvelle technique. Quand vous changez de technique, soyez vigilante et vigilant d'avoir le matériel adéquat. J'insiste là-dessus. Dernière chose, il utilise beaucoup plus le sol qu'avant. Vous avez probablement entendu pendant des années qu'il fallait garder les deux pieds au sol, qu'il ne fallait pas bouger avec le driver. Bryson DeChambeau, aujourd'hui, une vraiment des grosses sources de puissance qu'il a, c'est de venir chercher dans le sol et d'exploser à tel point que son pied gauche, si vous le regardez ce week-end à Houston ou la semaine prochaine au Masters, son pied gauche part du sol tellement il est venu exploser, prendre de l'énergie et exploser. J'espère que ça n'a pas fait trop de choses. J'espère que quand vous verrez maintenant Bryson DeChambeau jouer des tournois, vous comprendrez un peu mieux sa philosophie sur le fait d'avoir gagné en rotation, en amplitude, mais de créer certains verrous, certaines, de retirer des barrières pour être plus pressé. Dernière chose, si vous aussi voulez aller plus loin, gagner en distance, n'oubliez pas force pédale en 1 et en 2, venez assister à notre live de vendredi, 18h, on vous expliquera plusieurs choses extrêmement simples. En ce qui me concerne, je vous expliquerai comment emmagasiner de l'énergie et la restituer. Je vous expliquerai aussi comment amener votre club dans la balle pour optimiser la distance. Jérémy Brechetto vous donnera des exercices pour que vous puissiez faire ça chez vous, de la préparation physique pour, à la sortie du confinement, être parfaitement prêt à faire, à emmagasiner, à libérer l'énergie. Et Lewis Wallace, que vous connaissez très bien, lui vous fera un programme d'entraînement pour que vous puissiez taper beaucoup plus loin dès la sortie du confinement. Est-ce que vous avez quelques questions ? Oui, Martha, très très fidèle auditrice. Affaire pour une femme, oui, je me répète, ce qu'il faut que vous gardiez en tête de ce live, c'est, et j'espère que vous garderez ça en tête, gagner en souplesse, c'est ce que fait Bryson DeChambeau, et utiliser le sol, utiliser le sol. Faites en sorte de, comme quand vous lancez une balle, il faut que vous ayez la sensation de venir presser dans le sol pour vous libérer. Faites des choses le plus naturel possible et le plus proche possible d'un geste de lancer. Bryson DeChambeau, allez, je vais finir là-dessus, Bryson DeChambeau s'est rapproché d'un geste de lancer. J'insiste, il avait l'habitude d'être dans une mécanique parfaite, le même plan au niveau des mains, au niveau de la tête de club, de faire tout avec très très peu de variables certes. Là, il s'est rapproché d'un geste de lancer. Il est dans une position beaucoup plus, comme vous l'avez tous dit, stable au départ, avec plus d'angle. Il vient emmagasiner de l'énergie avec beaucoup de rotation et il vient exploser. Donc, c'est là-dessus où vous pouvez vous en inspirer de la rotation, de l'explosion, même les femmes, au contraire, les femmes aussi, vous devez vous inspirer d'être en rotation et de venir utiliser le sol. Est-ce que tout le monde a encore 5 minutes ? Si tout le monde a encore 5 minutes, je vous montre quelque chose. Je suis sûr qu'Yvan va adorer. Étienne Vincent, merci pour cette analyse, avec grand plaisir. Certains pourront enfin remarquer que Bryson n'est pas une brute, mais bien un athlète de haut niveau d'une rigueur extrême, d'une rigueur hallucinante. Je me répète, même si on aime ou on n'aime pas, parce qu'il est assez spécial, on ne peut être, en tout cas moi, je ne peux être qu'admiratif de ce joueur, tout simplement parce que cette réflexion qu'il a au départ de chercher à être très rotatif avec la colonne vertébrale, très rotatif avec le bassin, mais de retirer des variables comme cette position en ce qu'on appelle en déviation lunaire complètement verrouillée et la main gauche complètement verrouillée pour faire que son bras gauche va toujours revenir au même endroit et qu'il n'y a plus cette variable, des clubs pour retirer la variable, cette réflexion et cette philosophie qu'il a est tout à fait admirable et je pense que c'était intéressant en tout cas de vous l'expliquer comme vous le voyez et de comprendre la réflexion de ce jour-là. Donc je suis tout à fait d'accord avec Étienne. Allez, 5 minutes et après je vous laisse. Pour vous montrer un petit peu ce que
Bryson DeChambeau aujourd'hui a amené sur la scène golfique mondiale la distance un peu plus, l'athlétisation encore plus, même si c'est Tiger Woods qui l'a amené au départ. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a fait bouger les lignes. Mais je pense qu'il y a d'autres gens qui vont faire bouger les lignes. Allez, je vous montre. Allez, on commence par là. Je vous montre par là. Hop là. Excusez-moi, je vous dis, avec mon nouveau système, je ne suis pas encore super au point, mais je le serai dans les semaines à venir. Allez, je vous montre le futur du golf. Enfin, le futur du golf, je ne sais pas. Il y en a plein d'entre vous qui vont réagir en disant que vous espérez que, c'est pas, que ça ne soit pas ça. Mais voilà, Kyle Berkshire, c'est le joueur aujourd'hui qui tape le plus fort au monde, tout simplement, et qui a tout simplement la volonté de jouer sur le PGA Tour dans les années à venir. Il passe l'année prochaine les cartes du Korn Ferry Tour et c'est tout à fait hallucinant. Donc, pour vous donner une idée, Bryson, moi, je crois qu'il était mesuré là à plus de 140 miles par heure, ce qui est énorme. Et bien, c'est tout à fait ce que fait Kyle Berkshire. Et je pense que Bryson DeChambeau a dû s'inspirer de pas mal de choses aussi de chez Kyle Berkshire qui tape la balle comme personne. C'est tout à fait hallucinant pour vous dire, le club est passé à 148 miles par heure. C'était en intérieur contre un filet, mais la balle aurait pitché à 343 mètres, donc 380 yards. C'est tout à fait hallucinant. 148 de vitesse de club, c'est tout à fait hallucinant. Il prend la balle en remontant. Dernière petite chose très rapidement, c'est l'utilisation du sol. Cette courbe ici vous explique à quel point le joueur vient presser dans le sol. On voit qu'ici, il vient presser au maximum dans le sol, donc il est à 268% de son poids de corps et extrêmement rapidement il explose pour au moment d'impact n'être plus qu'à 25% de son poids de corps pour justement utiliser le sol. Et ça, tout le monde peut le faire, spécialement les femmes, tout le monde. Vous venez emmagasiner de l'énergie que vous restituez en libérant au moment d'impact. J'espère que ça fait pas trop de choses. Allez, si vous avez encore 30 secondes, on pourrait rester 2-3 jours ensemble, hein. Vous savez, là j'ai fait le minimum de chez minimum, mais je ne voulais pas non plus faire trop de choses pour pas perdre tout le monde, enfin, bien que vous soyez toutes et tous intelligents, bien évidemment, mais voilà, je ne voulais pas. Et ici, c'est donc Kyle Berkshire, là aussi. Et là, je le compare à Bryson DeChambeau qui pourtant tape fort. Kyle Berkshire, c'est tout simplement 148 miles, 140, presque 150 miles par heure. Et qu'est-ce qu'on constate? Là, on constate un mouvement très, très ample, très, très grand. Et là, si on regarde cette fameuse différentielle entre le club est hallucinant. Et c'est ça qui lui donne de la puissance en venant presser dans le sol et en explosant au moment d'impact pour gagner en puissance. Ces joueurs-là, pourquoi je voulais finir par Kyle Berkshire, c'est des joueurs qui aujourd'hui vont chercher à jouer, à faire du long drive, mais à jouer au golf aussi pour gagner leur vie. Et c'est peut-être... Le golf va peut-être évoluer comme ça. Il y en a à qui ça plaît, il y en a à qui ça plaît pas. Mais voilà, je pense que le monde du golf est un peu en train de changer et que ce sont Bryson DeChambeau et Kyle Berkshire. Si les autorités ne changent rien, les autorités qui régissent le golf ne changent rien, on va voir des athlètes comme ça de plus en plus et des drives qui vont être inimaginables. Allez, une ou deux questions pour finir. Bien sûr, Nicolas Durand, il reste le petit jeu. Il y a plein de choses, bien évidemment. Là, on était vraiment sur le fait de vous expliquer un peu ce que faisait Bryson DeChambeau, parce qu'on en entend tellement parler que je trouvais ça intéressant que vous puissiez comprendre son fonctionnement. Mais évidemment qu'il y a le petit jeu, évidemment qu'il y a le putting, qu'il y a le mental, qu'il y a la stratégie, les sorties de bunker. Et c'est ça qui fait de notre sport quelque chose d'absolument génial, c'est qu'il y a plusieurs sports dans le même sport. Mais voilà, aujourd'hui, c'était Bryson DeChambeau et son évolution et sa philosophie. Et j'espère que ça vous a plu. À très bientôt sur les antennes du Journal du Golf. Vous aurez Lewis Wallace demain. Et n'hésitez pas, vendredi, gagnez la distance au drive. On vous attend nombreuses et nombreux. À très vite.